3, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali en violation flagrante de la République du Mali, informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération dont la bravoure est à saluer est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces violences ont été documentées par des organisations de la société civile du Mali. La République du Mali informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Et encore une nouvelle expulsion au Mali, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement malien, dirigé par le colonel Assimi Goïta, ne porte pas de gants. Là-bas, c'est du tic au tac. Eh bien, prenons une minute pour revenir sur quelques cas. En janvier 2022, l'ambassadeur de France au Mali sommait de quitter le territoire. La raison, Bamako avait dénoncé les propos hostiles et outrageux tenus par Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française de l'époque, qui avait jugé illégitimes les autorités de la transition et déclaré que le groupe russe, entre guillemets Wagner, était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il y protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières au Mali. Au mois d'avril de la même année, ce sont les médias France 24 et RFI, deux médias français, qui ont été suspendus définitivement du pays par la haute autorité de la communication après une suspension le mois précédent. Motif, ils avaient été reprochés aux deux médias français la publication d'informations selon lesquelles les forces armées maliennes seraient impliquées dans des exactions contre les civils. Fin 2022, l'on annonçait la fin de l'opération Barkhane et le retrait des troupes françaises dans le pays. Et voilà qu'il y a deux jours seulement, le gouvernement malien notifie à la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, la MINUSMA, que son responsable des droits de l'homme, Guillaume Andali, n'est plus le bienvenu dans le pays et doit partir dans les deux jours. On suppose que le délai, bien sûr, est arrivé. La raison, on va écouter tout de suite. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali conformément aux conventions internationales pertinentes.
directeur division des droits de l'homme de la MINUSMA a été remise en question. Les autorités de transition l'accusent d'avoir mis en avant Aminata Diko comme représentante de la société civile au Conseil de sécurité il y a quelques jours. La vice-présidente de l'Observatoire Kissal, au cours d'une réunion à l'ONU, a dénoncé la situation sécuritaire du pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. Écoutons-la. Devant ses partenaires militaires russes, aux côtés de nos forces armées maliennes, dont la bravoure est à saluer, est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces violations ont été documentées par des organisations de la société civile du Mali et ont été reflétées dans les rapports officiels, notamment du secrétaire général des Nations Unies et de la MINUSMA, ainsi que d'autres organisations indépendantes et crédibles. De plus, au cours de ces opérations visant aussi à s'attaquer aux sources de financement du terrorisme, ces acteurs s'en prennent systématiquement aux biens des populations civiles, aux objets de valeur, dépossèdent les communautés de leur bétail, qui constitue un patrimoine culturel et a une valeur économique considérable. Ainsi, j'invite les autorités maliennes à se désolidariser de ces actes qui pourraient constituer des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, à prendre des mesures préventives afin de décourager les auteurs, qui qu'ils soient, et de rassurer tout le monde. Tout de suite, la transition. Vous écoutez la 96.3 FM For You Radio, votre programme Regard panafricain qui débute. Vous nous suivez également en direct de nos différentes plateformes YouTube et Facebook For You Media Africa. Et ce programme sera retransmis bien sûr à la télévision dans les heures qui suivent. Vous pouvez aussi participer en donnant votre point de vue par message. Alors, pour en parler sur ce plateau, notre invité, c'est le président Bandakani, l'invité de ce mardi 7 février 2023, président du NNP, le nouveau mouvement populaire au Cameroun. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Angela Sika, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. On rappelle que cette émission, du moins ce programme, sera bien sûr diffusé tous les jours sur les antennes de For You Media Africa lorsqu'il sera exactement 20h30. Merci, président, d'avoir patienté avec nous. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, on va commencer, rentrer directement dans le vif du sujet. On parlait de ce responsable onusien qui a été expulsé du Mali. Finalement, on se demande, est-ce qu'il restera encore des représentants ou des représentations au Mali? Moi, j'aborde la question autrement. C'est-à-dire? Le problème est de savoir si l'ONU, la présence de l'ONU dans nos pays est compatible avec la jouissance effective de la souveraineté, notre souveraineté. Oui. La présence de l'ONU en Afrique se révèle de plus en plus être un danger sérieux pour la souveraineté des États. Des États africains. L'ONU est devenu un instrument, bon, pour ceux qui découvrent, est devenu un instrument utilisé par les mondialistes, le mondialisme global, pour coloniser les pays africains. Et le camp malien est une illustration évidente, évidente. Donc il faut inscrire ce type d'affaires dans cette perspective d'analyse qui est la seule capable de rendre compte de cette réalité. Sinon, il faut se contenter des saloperies, des médias mainstream et la propagande onusienne qui se cache derrière une prétendue universalité de criminels et de pacotis pour revendiquer une intouchabilité, une sorte d'immunité internationale qui ne vaut rien devant le principe de souveraineté des États qui aime la pierre angulaire de la charte onusienne. Donc, le débat, de mon point de vue, il est là. Et les péripéties, n'est-ce pas, qu'on observe dans les relations entre le Mali et l'ONU,
est une très bonne chose parce qu'on a là, sur le théâtre marien, la réalité des relations entre les pays africains en général et ce truc qu'on appelle l'ONU. L'ONU, sauf qu'on l'a rappelé d'ailleurs à l'antan, président Bandakani, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des Nations Unies. On a rappelé ces médias français qui ont été expulsés du pays, France 24, RFI, l'ambassadeur français lui-même, d'ailleurs même un représentant de la CDAO a été justement expulsé du Mali. On se demande exactement ce que recherche le Mali justement dans cette prise de décision. Le Mali ne recherche rien. Le Mali fait ce qu'un État normal fait. Jouissance et défense et consolidation de la souveraineté. Mm. Aussi simple que ça. Vous voyez, quand l'ONU s'est émixée à travers le rapport du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, sur la question des gilets jaunes, quelle était la réaction de M. Macron et de la France? D'une extrême violence. Mm. D'une extrême violence. Vous voyez que le Mali, quand vous regardez, le Mali fait ce que tous les États normaux doivent faire. Sauf que c'est le Mali, c'est les Noirs africains. Ouais. Ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas le droit à être véritablement souverains. La charte de l'impérialisme est claire. Dans cette charte-là, les missions secrètes de l'ONU sont définies. Une couverture pour détruire tout État qui a des velléités de souveraineté. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le Mali fait ce que tous les États font. Vous avez entendu l'ONU s'immiscer dans les affaires américaines? Les États-Unis ne sont pas le cimetière des droits de l'homme. Mm. Les Noirs là-bas, on les tue au tir au pigeon. C'est le tir au pigeon. Tue les Noirs. Vous avez entendu l'ONU se mêler ses affaires? La situation carcérale aux États-Unis est gravissime. Gravissime. Avec une dimension raciste évidente. Mais vous avez entendu l'ONU se mêler? Vous allez dans beaucoup de pays, en Angleterre, partout, où vous avez des cas quotidiens de violation des droits de l'homme. Mais alors, est-ce que pourtant l'ONU va se mêler là-bas? Non, c'est que quand il s'agit des pays africains, ils bombent leur torse, parce qu'en réalité, elle a été créée pour maintenir la domination de l'Occident collectif sur le monde. Et en sanctuarisant l'Afrique comme étant la périphérie de l'Occident, où elle puise toutes ses richesses, elle puise toutes ses matières premières. Et pour ce faire, Mme Angela Sikey, il n'est pas question qu'il y ait un seul État africain qui soit souverain. La bataille que le Mali mène, c'est votre bataille. C'est la bataille de chaque Africain qui a compris les enjeux. C'est cette bataille que le Mali mène. Mais comment ça pour expliquer, Mme Angela Sikey, à qui veut-on faire croire que, parce qu'on s'appelle l'ONU, on aime le Mali plus que les fils du Mali, comme ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mm. Dites-moi quelle est la base qui permet de croire que l'ONU peut respecter au Mali le droit de l'homme mieux que l'État malien. L'État malien. Mais sauf qu'on ne parle pas de la même chose. Hein. En fait, l'idée des droits de l'homme, dans le cas d'espèce, ce n'est pas la même chose. Mm. Et le piège dans lequel tous les États africains sont aujourd'hui enfermés, justement, c'est leur incapacité à mettre sur la table un discours africain clair sur la question et l'imposer comme paramètre de toute discussion avec l'ONU sur la question. Il faut laisser la charte des Nations venir avant à l'ONU parce qu'ils ne savent pas le quoi. Ils violent leur propre charte. Est-ce que le droit de l'homme veut dire droit de l'homme politique? Allez lire la charte des Nations Unies. Il y est consacré ce qu'on appelle l'indivisibilité des droits de l'homme. Allez lire la charte des Nations Unies. Donc, on ne peut pas opposer les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels. C'est tout ça qui fait les droits de l'homme. Mais que fait l'Occident? Elle a décidé de dégager des droits de l'homme, mais de transformer les droits de l'homme en droits politiques qu'elle manipule à sa guise pour ériger un tribunal moral international qui permet à l'ONU et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et particulièrement la France, l'Angleterre, l'Occident, les États-Unis et l'Union Européenne, donc ce qu'on appelle l'Occident collectif, de s'ériger en maître moral international capable de donner les leçons à tous les États et de les noter. Alors dès qu'ils disent que vous violez le droit de l'homme, vous devenez un paria. Vous devenez un paria jusqu'au jour où vous satisfaisez, c'est-à-dire l'agenda secret qui est derrière, à savoir le de votre sous-sol.
Le Mali, c'est inacceptable, c'est fini ça. Aucun pays africain ne peut plus accepter ça. Même si on note quand même qu'il n'y a pas une sorte justement de solidarité autour du Mali, on aurait espéré, c'est vrai qu'on a vu des pays comme le Burkina Faso, peut-être parce qu'ils ont plus ou moins la même histoire, en tout cas récente, mais on s'attendait quand même à une certaine solidarité derrière le Mali. Ben, nous avons, c'est évident, même si... Bon, moi et vous, nous ne savons pas ce qui est fait en off par certains. En même temps, oui. Oui, c'est vrai, parce que peut-être qu'ils ne parlent pas officiellement. De manière officielle, oui. Mais ce que l'Afrique doit faire, ce n'est pas de se contenter de la charte des Nations Unies. Non, la charte des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine qui ne vaut rien. Un charabia de papier qui ne sert à rien. Il faut que les pays africains, c'est là où vous avez raison, doivent s'asseoir, définir eux-mêmes et dire que voici ce que l'on appelle droit de l'homme. Terminé, il débat de ça. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça s'appuyer dessus. Le droit de l'homme ne donne pas à l'ONU le droit de s'ingérer dans les affaires d'un État. La question du droit de l'homme ne fonde pas, je le dis comment. Oui. Et si maintenant c'est devenu. Si maintenant sa base c'est morale, on voit tout l'abus qui est là-dedans. C'est-à-dire, c'est quoi l'ONU, c'est quoi la communauté internationale en termes de moralité pour parler à un État. Il n'y a plus criminel que ces voyous, ces États voyous. Ce sont des états criminels. Donc, vous voyez que la question, cet aléa moral, ce préjugé moral est tellement arbitraire et n'a aucun sens. Oui. Sur le plan juridique, les Nations Unies ne peuvent pas, au nom des droits de l'homme, s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Opposer le droit de l'homme à la souveraineté d'un État. C'est ça le problème. C'est ça le Mali rappelle. Le Mali ne fait que rappeler ça. On est là devant une escroquerie. Du colonialisme, n'est-ce pas, au XXIe siècle, maintenant sur la façade ONU, onusienne, pensons mal au droit de l'homme, c'est moral, vraiment, mais toutes les comment dire ça, les justificatifs qui ont permis à l'Europe, à l'Occident de consolider sa mainmise sur l'Afrique, ont toujours été morales, religieuses, civilisationnelles. Souvenez-vous, quand on voulait savoir, qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut qu'on devienne des hommes. Quand on a voulu coloniser l'État, c'était pareil. L'ONU maintenant vient avec la volonté de s'assurer que nous respectons les droits de... Les droits. Alors que l'ONU elle-même, tous les jours, elle est attrapée en flagrant délit à travers ses démembrements de missions de paix. Flagrant délit de violation des droits de l'homme, de pillage de ressources et de viol, n'est-ce pas, de viol sur les enfants et dans toutes sortes de trafic. On les attrape tous les jours. Vous comprenez? Donc, ça commence à ressembler à une organisation criminelle qui vole, qui pille, qui viole et qui se cache derrière la fameuse immunité internationale. Et surtout qu'on sait qu'en question de droit, ça dépend aussi des us et coutumes. Hein. Nous savons très bien qu'en Afrique, il y a certaines valeurs, en tout cas, qu'on ne partage pas également de l'autre côté. Mais maintenant, on nous dit que les LGBT et machin sont des droits de l'homme. Bien sûr. Bon, par quelle péripétie on est arrivé là? Et les pays africains qui ne respectent pas ce droit de l'homme. Violation de droits de l'homme. Vous voyez, même dans ça, on intègre ça. Oui, voilà. Entre autres. Alors, on évolue. On rappelle que cette mesure du gouvernement malien intervient après l'intervention critique de Mme Aminata Diko au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était le 27 janvier dernier. Eh bien, elle accuse les nouveaux alliés russes de l'armée nationale de graves violations. Et voilà, Bamako a réagi. Selon elle, on a d'ailleurs suivi tout à l'heure les soldats ou alors les militaires russes qui sont du côté du Mali sont impliqués dans de graves exactions. Mais là encore, c'est grave. Vous voyez la même chose. On ramasse une petite fille, on ne sait pas où elle sort. Je ne veux pas dire plus. Elle semble être quand même reconnue dans la société civile malienne. Non, vous connaissez où? Puisque le Conseil national, les instances officielles, les organisations officielles en la matière reconnue, lui ont pas donné le mandat d'aller par là. Alors non. Il ne s'agit pas d'être membre de la société civile malienne ou pas n'importe qui. Même les oiseaux peuvent être membres de la société civile. Mais. Aller parler en leur nom à l'ONU pour confronter un État. C'est ce que ça veut dire, Emmanuel Atiké. C'est ça qui est grave. Et ça fait des années, vous vous souvenez certainement, que nous avons prévenu les États africains de la question. Alors que les gens ramassent. Mais vous trouvez. Attendez. Vous comprenez. Vous croyez qu'il est possible d'aller prendre une Américaine ou un Américain, n'est-ce pas, qui fait de la société civile, de l'amener à l'ONU et de la confronter à l'État américain? Mais. En la matière, est-ce qu'il manque des éléments pour ça? Il ne manque pas des éléments pour ça. Donc vous voyez comment, et c'est ce voyou-là,
agissant au nom des Nations Unies, qui organisait tout ça. Alors, c'est ce que je vais vous dire, Manuela Sike. Oui. C'est-à-dire que vous voyez comment il y a l'État, sa souveraineté. Maintenant, il y a la question des droits de l'homme. Mm. Vous comprenez? Aléa morale qui est mobilisé pour devenir quoi? Pour essayer de juger de la validité éthique et morale d'un État quand à ses pratiques à la matière. Le débat celui-ci, c'est que mais il n'y a pas consensus sur la matière. La conception occidentale de ces droits pose problème parce que ça dénature même l'idée de droit de l'homme tel que définie par la Charte des Nations Unies. Je sais que vous expliquez ça depuis. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir une Charte des Nations Unies qui explique très bien ce qu'on appelle droit de l'homme. Vous vous en écartez, vous enlevez une partie qui vous arrange, vous réservez la valeur des droits de l'homme à ses dimensions politiques, avec tout ce que cela comporte d'arbitraire. Deuxièmement, vous faites de ça un instrument géopolitique qui permet de diaboliser des États, de les amener devant des tribunaux internationaux que vous dirigez, que vous créez, pour les condamner et dire que ce sont des États voyous et que vous êtes des États supérieurs. Mais tous les jours, madame Manuela Sike, où est l'ONU dans le Covid? Il y a pire violation des droits de l'homme sur cette terre que l'expérience du Covid. Il y a pire. Sauf quoi? C'est que l'ONU passe en secrétaire général est en première ligne dans cette violation gravissime des droits de l'homme au niveau international. Parce que le secrétaire général de l'ONU, si les enquêtes avancent sur la question, on doit l'arrêter. Sa place est en prison. Parce qu'il a fait la promotion du vaccin, du Covid. Il a fait des pronostics. Il a engagé l'ONU et sa crédibilité pour justifier l'invasion de l'Afrique par ces vaccins. Sous le prétexte que si on ne le fait pas, nous allons mourir par millions. D'ailleurs, il a même décrété ça avant. Oui, vous comprenez? Surtout, bon, regardez le comportement. Oui. Que s'est-il passé dans tous les États européens occidentaux? Une répression extraordinaire, Mme Manuela Sike, la mise entre parenthèses des constitutions et de tous les droits des humains, on les a forcés à se vacciner. À se faire vacciner, tout à fait. Les conséquences, c'est quoi? Maintenant, on vous cache les vrais chiffres. Je laisse le nombre de morts dans le monde. Plus de 6 millions de morts. 6 millions de morts. Faites le rapport avec les prétendues des actions des États. Je dis 6 millions de morts. Mais là, les conséquences. Aujourd'hui, en Europe, il y a subitement une mortalité, que ce soit au niveau des enfants. Oui, tout à fait. Il y a une surmortalité qui, post-Covid, qui est apparue et qu'on veut masquer par tous les moyens, Manuela Sike. Est-ce que des gens comme ça, sont fondés à venir parler avec l'État africain, à donner des leçons, à s'ériger en baromètre, n'est-ce pas, d'analyse des droits de l'homme pour même les sanctionner, les États? Ces gens-là, ils ont quel mandat moral? Ils ont quel... Au nom de quoi ils font ça? C'est ça le débat. Donc, les petites filles, les fillettes comme ce genre de les fillettes comme celles-là qui vont à l'ONU, on ne connaît pas quelle relation elle avait ce monsieur-là qu'on a expulsé, mais ça vaut un peu la peine de parler d'elle. Elle ne sait même pas de quoi est-ce qu'elle parle. Mais justement, vous le dites, mais c'est ce qui cause quand même, c'est ce qui justifie la décision du gouvernement malien aujourd'hui. Ça veut dire bien sûr. Oui, on a pris cela très mais elle parle au Mali pour qui? C'est quoi la société civile? Elle a quel mandat électoral? Elle a quel mandat? C'est quoi la société civile? Au point d'aller imposer dans une instance internationale une fillette, une dame, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas où elle sort, dont la parole vaut la mise au pilori d'un État. Si c'est ce qu'on veut faire, eh bien, on est d'accord. Que l'État africain aussi ait le droit d'amener des personnes, n'est-ce pas, au nom de sa civile, au nom de la société civile, qui porterait tout genre d'accusations contre les pays occidentaux. Ah non, mais là, on est très fort, ça va, mais nous sommes pour ça. Hein. Vous voyez que ce n'est pas possible. Mais c'est grave, ça n'a aucun fondement. C'est la force, c'est la violence géopolitique, tout ça qu'on connaît, c'est la France qui est derrière ce pays. Ils sont en train de forcer et créer, utiliser tous les moyens pour diaboliser le Mali. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour justifier les actions qu'ils vont entreprendre contre l'État malien. Comme tu fais ceci, nous, on va faire ça. Ils veulent justifier. Et ils veulent justifier le dressage des communautés les unes contre les autres au Mali. C'est pas pour rien qu'ils font ça.
On sait très bien ce que la France et les Occidentaux sont en train de faire avec les Touaregs, toutes ces communautés-là, ce qu'ils veulent faire au centre du Mali. Donc on veut créer les conditions de casser le soutien populaire dont jouit le régime de transition au Mali, n'est-ce pas? On veut casser ça en justifiant, n'est-ce pas, des actions venant justement de ces groupes-là, qu'on a déjà armés et tout, qui vont dire oui, c'est un état non seulement, ils violent le droit de l'homme, ils font des exactions sur les populations qui sont dans la légitime défense. Une fois que c'est dit, les Occidentaux ne sont pas derrière, ils arment. On connaît tout ça. Il faut justifier des opérations qu'on prépare contre l'État malien. Ça ne marche pas. Et d'un côté, l'État malien doit être d'une fermeté extraordinaire. Manuela Siké, oui. La question des droits de l'homme, ça doit être clair. Qu'on se comprenne bien. Oui. À partir du moment où vous dites que les droits de l'homme se limite à leur interprétation politique, n'est-ce pas? Oui. De vous, vous dites que ce sont les États qui doivent les faire respecter. Est-ce que vous dites non? Exactement. Mais en même temps, quand l'État fait ce travail de dire ok, c'est moi qui gère dans ces droits, c'est moi qui dois les respecter, dans le cadre juridique, parce qu'il n'y a pas de respect de l'homme sans un cadre juridique. C'est la première fois dans l'histoire que les Occidentaux remplacent le cadre juridique national, comprenez bien, national, de gestion, de promotion et de défense des droits de l'homme, remplacent ça par un cadre moral constitué par le babadage des petites filles, qui sont même les copines des représentants de l'ONU dans le pays. C'est-à-dire que une femme comme celle-là, parce qu'elle va venir parler, ça remplace le cadre juridique du pays. Écoutez bien, le cadre juridique du pays qui permet de désigner ses représentants. On les met de côté et on les met en face une fillette, une femme, qui bavarde et dit que vraiment vous avez fait le signe machin. Ce qu'elle dit vaut quoi? C'est la vérité. C'est grave. C'est grave. Nous avons dit aux pays africains depuis 10 ans de se saisir cette affaire. Ils n'ont pas écouté. On est toujours en retard. Il y a longtemps que les Occidentaux ont réécrit le droit international qu'ils ont même élaboré. Comme ça ne sert plus leurs intérêts, ils ont créé des trous à l'intérieur à travers les histoires de société civile, le droit d'ingérence humanitaire, les histoires, tout ça. Ils ont fait ça exprès, les gars, ce qu'ils font à l'OMS. Donc, ils créent des trous. On vous crée des philanthropes comme Bill Gates qui deviennent le super patron de l'OMS parce qu'on vous dit que, ok, vous allez vous regarder. Comme les dirigeants africains ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas travailler, ils sont toujours en retard et surpris. Mais le travail, il est là. Il n'est pas encore tard pour se racheter. Pour se racheter. Est-ce qu'un pays comme la France, avec son petit dirigeant là, a des leçons à donner au Mali en matière de droits de l'homme? Les droits de l'homme sont nous au Mali. Ceux qui connaissent l'histoire du Mali, bien sûr. Le Fouka. C'est nous au Mali. Bon, est-ce qu'un pareil pays... voilà un pays qui a créé les droits de l'homme. Les imposteurs veulent donner des leçons à la matière. Vous allez voir que quand vous étudiez la charte Mandingue en la question, vous allez voir que pour ceux qui ont rédigé cette charte, les droits de l'homme sont indivisibles. Et la tradition africaine à la matière, c'est l'indivisibilité. Pour qu'il y ait droit de l'homme politique, il faut qu'on garantisse les droits de l'homme économique, oui, culturel, ainsi de suite. Et c'est impossible sans la souveraineté de l'État en question qui va faire la promotion. Alors, on est dans une situation où la souveraineté nationale est remplacée par une souveraineté internationale qui n'existe pas, qui est une fiction, mais qu'on vous impose. En disant que non, il y a les conventions, vous avez signé les conventions, vous devez les respecter. Mais ça fait, c'est quoi? Est-ce que les conventions annulent la souveraineté? Annulent pas. Une convention reste une convention. On peut la dénoncer tant que l'État est sous l'impression en danger. Que ces conventions, on la prenne le dessus. Mais c'est n'importe quoi, d'abord. Ils sont les premiers à les violer. Voilà un pays qui est détruit par les terroristes, armés, financés et protégés par l'Occident en général et par la France. Je vous donne un exemple. Allez-y. Le Mali a déposé un dossier au Conseil de sécurité où il accuse la France des choses gravissimes. Exactement. Ce conseil de Fayman, de sécurité, de Fayman, bloque ça. On ne peut pas écouter. Mais le même conseil ramasse
une drôle de femme, bizarre, c'est un peu où elle sort, amène à l'ONU pour brailler sur l'état de désertion au Mali. Il y a un problème. Et le temps entre le dépôt justement de ce dossier par le Mali et aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité bien concernant sûr. La situation au Mali. Mais bien sûr, oui. Ils ne veulent pas parler de ça. Un État vient dire que j'ai les preuves que voici l'État. Un membre du Conseil de sécurité, il aime les terroristes, il vient ma souveraineté, il fait des choses graves qui méritent qu'on le mette au banc de la communauté internationale. Et du coup, la plainte a montré au monde entier, en général, aux Africains en particulier, les rêveurs là, que l'ONU est un gang mafieux commandé par des États que nous connaissons, le collectif de l'Occident, nous rappelle tous les jours que l'affaire n'est pas pour nous, que nous on est là pour servir de faire valoir et donner la corde pour qu'on nous pende. C'est cela qu'il s'agit. Il faut rester à l'ONU pour mener la bataille internationale, mais il faut que les États africains, comme je l'ai dit, se dote d'instruments, n'est-ce pas, ouais, pour contrecarrer et annuler cet avantage géopolitique que l'Occident s'est octroyé en moralisant la question des droits de l'homme au point où cette morale est maintenant supérieure à la souveraineté des États. C'est la bataille que le Mali mène. Qu'on se comprenne bien. Il n'est pas question d'encourager des exactions. Mais à qui peut-on faire croire que réellement on peut protéger les citoyens d'un pays par une instance internationale? Ça fait rire. C'est impossible dans l'histoire. Ça ne marche pas. Parce que quand l'instance internationale vient, c'est qui? Qui est derrière? Qui est derrière? Vous voyez toujours un poids, deux mesures. Un poids, sans mesure. On fait la cour pénale internationale. Et on dit non, on ne peut pas juger les États-Unis. On ne peut juger aucune puissance. Le jour où vous faites l'erreur d'aller enquêter sur les exactions de l'armée américaine, le moustachu Bolton, un drogué, un malade mental, il dit, ça fait pas la vie, il dit on va détruire la CPI, on va attraper ses dirigeants, on va bloquer leur avoir, on va les arrêter sur les pays aux États-Unis. Interdit d'entrer aux États-Unis. Mais il continue même. Hein. Après, il vient encore l'autre jour, il vous dit que nous on fait le coup d'État quand on veut. Nous on renverse des présidents, on organise, on les renverse. Et comment on renverse un président? En utilisant par exemple la question des droits de l'homme. Il le dit. L'autre jour, il a encore dit que non. Nous, on fait le chantage sur les dirigeants. Les dirigeants qui ont leurs enfants chez nous, qui ont leurs avoirs chez nous, on s'en sert pour les faire chanter. Il a dit. Donc, les conventions internationales, Mme Manuel, c'est que les traités, si elles doivent être respectées, le respect doit être universel. On ne conçoit pas des traités internationaux et des conventions internationales où vous êtes piégé. Ça s'impose seulement à une partie et jamais à l'autre. Donc, nous soutenons total à l'État malien. Il faut chasser ce voyou. Pour moi, c'est un voyou. Il faut le chasser. Si l'on n'est pas d'accord, fiche le camp. Parce que partout, il y a les missions des Nations Unies. Mais on sait ce qui se passe, non? C'est quoi cette affaire dont on refuse de faire le bilan alors que depuis sa création, je n'ai pas de mission de paix, je ne parle même pas de l'ONU, hein, mission de paix. Depuis sa création, le bilan parle plus que tout. Dernièrement, Centrafrique, on a attrapé. Un truc est parti depuis la base. On a monté tout un drone de tout et tout. Qui allait détruire une base russe. Et où il y avait le Fakaï et le russe. On a remonté. Oui. Ça partait de la base de la MINUSCA. Est-ce la première fois? Non. En RDC. Les populations marchent tous les jours. Ils tirent même sur les populations. Ces bandits de l'ONU, de mission de paix de l'ONU, tirent sur les populations. Et on ne dit rien, on le regarde. Rien. Depuis qu'ils sont en RDC, la situation s'empire de jour en jour. Et tous les jours, on les attrape en train de voler les matières premières dans leur fourgon. Ils volent, ils font le trafic d'affaires. Ils sont dans tous les trafics. On ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, on va rappeler qu'à côté de cela, justement, des experts des Nations Unies réclament une enquête indépendante, immédiate sur les violations, selon eux, je mets les guillemets, violations flagrantes des droits de l'homme et les éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Mali. Déjà, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous avez parlé tout à l'heure de ces pays. On ne serait peut-être pas surpris dans les prochains mois ou années qu'on amène peut-être
être un dirigeant malien de ce côté-là, lorsqu'on parle déjà de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Tout à l'heure, vous avez justement relevé cet autre point, cette réunion justement que réclame le Mali. Et on le sait maintenant, les experts des Nations Unies réclament une enquête indépendante, immédiate. Et on suppose que cette enquête, du moins, sera, la réponse sera immédiate, parce que ça vient justement de ces derniers. Ils vont faire ça où? Au Mali. Ils vont entrer par où pour faire ça au Mali? Qui fait ça à l'ONU là-bas? Ils vont entrer où? D'abord, ils ont quelle base? L'enquête crime de guerre, machin, relève les compétences du Conseil de sécurité. Ça n'aura jamais lieu, puisque les Chine et la Russie vont bloquer les, comme on dit au quartier, la bêtise. Quoi, c'est le bavardage. Et c'est ça le Macron, c'est la France qui s'agite. Parce que quoi qu'avec ça, elle peut faire plier les dirigeants maliens, les obliger à négocier. La CPI peut encore être dirigeant en Afrique. C'est fini. Bon, si des experts qui n'ont rien à faire veulent bavarder, brailler, ils n'ont qu'à le faire. Donc, en la matière, même pour déclencher une enquête digne de son nom, machin indépendant, mais ils n'ont pas braillé pour le Tchad dernièrement. Qui parle encore de ça? Qui parle encore de ça? Donc, les dirigeants maliens doivent rester fermes par rapport à ça. Il n'y a pas de trucs à s'inquiéter. Seulement, il ne faut pas rester sur la défensive. Il faut être offensif. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les dirigeants africains ne savent pas. Mais c'est ça. Demandez, on va vous attaquer. Dire. Non, il faut demander. Demandez, on va vous dire. Mais nous, on va parler cogner à la porte des dirigeants des pays africains. Ouais. Et vous ne le voyez pas. En tout cas, ce n'est pas ma conception du pan-africanisme. Ouais. Il ne faudra pas. Mais tous les jours, on vous dit soyez offensif en la matière. Mais si vous êtes prêt, demandez, mais vous dites qu'il faut être offensif. On fait comment? On vous aidera, on va vous dire ce qu'il faut faire. Quel est tout le temps à la sur la défensive en la matière? Il est très facile de casser ce monopole que l'Occident s'est donné en matière de droits de l'homme. C'est très facile à casser. Donc, il suffit de s'organiser. Mais qu'est-ce qui empêche les pays africains d'avoir les sociétés civiles? De fabriquer aussi des femmes comme celle-là? Et c'est compliqué. Pas compliqué. Mais après est-ce que ces sociétés pourraient avoir le poids nécessaire? Vous vous souvenez de cette affaire autour de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, ces ONG qui avaient porté plainte contre le président français Nicolas Sarkozy, l'ancien, mais jusqu'à présent, non, il n'y a pas eu de suite. La voie juridique au niveau international vient après. Vous créez d'abord un rapport de force, moral, géopolitique, stratégique, qui s'impose. Et la plainte vient après. Mais voyez comment ils procèdent. Mais on vous amène une femme à l'ONU qui s'assoit et bavarde. Mais qu'est-ce qui a fait? Mais pourquoi on est surpris de la voir là? Pourquoi on est surpris de la voir là? On a fait quoi? Pourquoi avant on l'a pas vu venir? Est-ce que les autorités maliennes n'ont pas eu des éléments de contrôle ou bien on n'a pas été suffisamment vigilant pour dire qu'elle n'a pas sa place dans cette réunion, par exemple? Que de la voir là et faire comme si elle est surpris de la voir là? Ça veut dire que au niveau de l'ONU, il y a un problème qui n'a pas fonctionné sérieusement. Parce qu'on aurait dû voir ça veiller et bloquer ça. Et bloquer ça avant. On dit que, mais elle n'entre pas ici. Si elle est là, nous on sort. Elle n'est pas ici. Donc, il y a ça. Deuxièmement, je vous dis, ils n'ont pas le monopole de ces choses-là. Des sous-dirigeants africains, de comprendre ce qu'on leur dit et de réfléchir. Nous, on est là pour leur dire ce qu'il faut faire. En attendant, ben, c'est bien de continuer de travailler. Moi, je soutiens l'État malien, c'est évident. C'est une très bonne décision. Et dès l'année prochaine, il faut chasser la MINUSMA. Elle sert à quoi? Qui s'en aille. Mais ils ont un problème. Parce que partir voudrait dire, c'est pas seulement un échec, mais ils vont encore manger quoi? Puisque au Mali, ils mangent beaucoup, ils ont des budgets. Quand je suffis par la nécessité, que le Mali c'est un cimetière des droits de l'homme, il justifie ça, il lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire, il lutte contre tout sauf les terroristes, qu'il protège, n'est-ce pas, qu'ils encadrent parce qu'ils sont toujours présumés innocents. Hein? Tu attrapes un terroriste en train de tuer, il est présumé innocent. Il faut qu'un tribunal le juge, c'est comme ça qu'ils disent. Donc, il les protège, et tu tues un terroriste, on dit que ce sont les exactions. Ce sont les exactions. Mais quand il tue les militaires, le militaire, bon, est fait pour mourir. Mais si tu es un terroriste, on dit que ce sont les exactions. Donc, il faut la bonne logique, c'est de se battre pour que la MINUSMA dégage du Mali. Parce que tant qu'elle est là, elle sert à protéger les terroristes. Ça, c'est la bataille qu'il faut mener. Et les Maliens se battent pour ça. La France fait tout
pour que la musulman ne s'en aille pas. Parce que c'est sa couverture. C'est comment on appelle ça? C'est le faux drapeau qu'elle met devant pour masquer tout le soutien qu'elle apporte au groupe terroriste en les armant depuis ses bases du Niger et de Côte d'Ivoire. Elle les arme et joue au niveau des trois frontières. C'est no man's land au niveau des trois frontières. Elle joue là pour continuer à déstabiliser le Mali. C'est pour ça que le rapprochement entre le Mali et le Burkina est une très bonne chose. Ouais. Il faut une grande réflexion là-dessus. C'est déjà une très bonne chose. Il faut rester ferme. Donc, ils vont faire quoi? Les sanctions? Ben dis donc, le Mali est habitué, ça a dépassé ça. Il faut te tourner ailleurs. Il faut se tourner. Le monde est grand. On peut vivre maintenant sans les Occidentaux. On a appris ça. Il faut vivre sans eux. Donc il faut les oublier. Si on dit que tu vois en France, quand on va en France, ça rapporte quoi un dirigeant africain? Depuis quand il va en France, ça rapporte quoi? Ça rapporte que malheur. Il faut isoler. On isole les malades dans la vie. L'Occident est malade. Il faut apprendre à isoler. Et le monde est en train d'aller dans ce sens. De plus en plus, on avance. On va les isoler. Et le temps va arriver où ils vont supplier pour avoir des partenariats avec les pays africains. On aborde la dernière ligne droite, on parle du Mali, et vous le savez, Président Bandakani, il y a cette visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au moment où justement, entre Bamako et Paris, rien ne va plus, Bamako et Paris, ou encore Bamako et la communauté internationale, eh bien, la Russie a été représentée par son ministre russe des Affaires étrangères, et là-bas, il a promis de continuer à soutenir militairement Bamako. Il a également proposé l'aide de la Russie aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée qui luttent contre justement le terrorisme. La Russie qui prend, président Bandakani, de plus en plus la place qu'occupait l'ancien colon. Ça pose également un autre problème ou pas? Non, mais c'est tout ça qui amène la France et les Occidentaux à se battre avec les moyens du passé pour essayer d'enrayer la vague. Mais c'est une vague historique qui est la conséquence directe de l'échec de l'Occident à transformer sa présence coloniale sur le continent en opportunité et en, comment dire ça, et en un moyen réel de développement pour les pays africains. Ça fait des siècles qu'ils ont occupé l'Afrique. Le bilan est nul. Moins que nul même. On va pas revenir sur un pays comme la France. C'est une malédiction, France. C'est-à-dire que vous êtes là depuis des années, des siècles, vous ne foutez rien, vous avez tout, on vous donne tout, vous échouez. Après, vous vous lamentez, un matin, vous voyez les Russes, matin, me dit, ça fait rire tout le monde. Les pays africains, le Mali a dit ceci. Quand vous les avez communiqués, oui. Le Mali dit très bien que moi, je n'ai aucun problème avec un pays ni avec l'organisation internationale. Oui. J'ai trois critères. Exactement. Les intérêts vitaux de mon pays, respecter notre droit à traiter avec qui nous voulons, et respect de notre souveraineté. Et c'est compliqué. Mais justement, ça, ce n'est pas au niveau de l'Occident. L'Occident ne peut pas respecter ça. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment respecter un truc comme ça. C'est tout ce que le Mali demande. Mais les Russes savent traiter avec les gens en les respectant, Manuel Asiké. On ne va pas revenir sur comment les Russes nous ont été à notre côté quand on luttait contre les colons. Oui, ouais, on connaît bien l'histoire. Voilà. La Russie, malheureusement, n'a colonisé aucun pays africain. Ouais. Voilà, les pays africains sollicitent la Russie. La France est jalouse, c'est la jalousie. La jalousie. Mais qu'est-ce que... Attendez, qu'est-ce c'est comme une femme que vous draguez au quartier. Un chômeur vous l'arrache, oui. Parce qu'il est plus performant que vous. Vous êtes jaloux de lui. Vous êtes jaloux de lui et de la femme que vous voulez draguer. La France est jalouse, c'est la jalousie d'un incapable. Ce sont les lamentations d'un ancien colon, colonisateur endurci. Il est toujours colon. Mais il est largué, elle est larguée, ce colon est largué. On ne veut plus de lui parce qu'il n'est performant en rien alors qu'on lui a tout donné. Mais cette question revient, vous l'avez certainement déjà entendu, on remplace un autre, c'est vrai, on a besoin de ce pays-là, de cette force-là qui pourra bien sûr nous aider à sortir entre guillemets de cet impérialisme, mais on remplace un colon par un nouveau colon. On ne peut que dire ça aux Africains,
Parce qu'ils vous prennent pour des singes. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quand la France était occupée par l'Allemagne, la France n'a pas sollicité l'aide des Africains. C'était pour qu'on soit leur maître. Eux, ils ne sont pas en alliance entre eux pour combattre les Russes. Est-ce que la France dit que l'Amérique, c'est leur maître? Pourtant, c'est évident pour tout le monde qu'ils sont moins que des vassaux américains. Ils sont moins. Ils sont même pas des bonnes. Il faut trouver un autre nom. Parce que marcher-pied, c'est même beaucoup pour eux. Mais quand c'est eux, ils peuvent avoir des partenariats avec les États-Unis. Même quand le partenariat est déséquilibré à tout point de vue, les Américains prennent tout. Ils bombardent les oléoducs. Ils font des choses graves. Ils ferment leur bouche. Ils se taisent. Parce qu'ils sont colonisés par les Américains. Mais est-ce que nous, on est là pour dire que, ok, vous êtes des nouvelles colonies américaines? Est-ce que nous, on dit ça? Est-ce que nous, on dit que le partenariat entre la France et les États-Unis, l'OTAN, c'est la colonisation? Est-ce que nous, on se plaint? Est-ce que nous, on se plaint? Nous, il y a les guerres partout en Afrique, ils n'ont jamais fait une coalition pour venir aider les Africains. Mais quand leurs frères ukrainiens ont des problèmes avec les Russes, c'est l'OTAN qui se lève, ils arment matin, midi, soir, le monde entier doit s'arrêter parce que les Ukrainiens ont des problèmes, parce qu'il y a un fou qui est présent de l'Ukraine qui braille matin, midi, soir. Nous, on souffre ici depuis, il y a le fond Sahel depuis qu'ils ont créé, mais on voit tout ça. Vous allez convaincre que l'Africain, que c'est les Russes qui font ça. Nous, on voit vous avez mis le feu au Sahel, vous mettez le feu partout. Et vous croyez qu'avec vos médias corrompus, vos journalistes mercenaires, vous allez changer la réalité, Mandela. Ça ne marche pas. Bon, que les Africains croient de bêtises comme ça, ben, il y en aura toujours. Mais vous n'allez pas empêcher aux États de faire les choix rationnels qui s'imposent à eux. Manuel Atiké. La CEDEAO. Oui. La chambre de Macron. Il pisse même sur les draps là-bas. Président. Comme il veut. Non, Sacha, il pisse sur les draps de la CEDEAO. Il pisse sur eux, de Vaurien, président. La CEDEAO n'a pas été en mesure de se lever quand le Mali était détruit par les terroristes. Mais quand Macron, qui pisse la CEDEAO, a donné l'ordre de mettre le Mali sur embargo, ils se sont levés. On est là, c'est clair. On voit très bien que si le Mali devait compter sur ses voisins, mais il n'existerait plus. Il n'existerait plus. C'est quand la Russie, le partenariat a été réactivé avec la Russie, que le Mali a levé la tête avec la mobilisation du peuple malien. Qu'ils ont levé la tête. On est là, c'est que tous les pays, pour s'en sortir, font des partenariats. C'est la loi de l'histoire. C'est la loi de l'histoire. Même l'Amérique, quand c'était chaud, je vous dis, vous ne savez pas, la Russie a aidé l'Amérique à faire face à des guerres. Oui. Je ne sais pas. La Russie, là, ouais, là, a aidé les Américains dans la guerre. Pourquoi? Pendant la guerre de sécession. Oui, Manuela Sécu. La Russie que vous voyez là. Donc vous voyez, Quand ce sont eux, ce sont les partenariats normaux, des partenariats gentils. Parce que bon, ils sont blancs. Ils incarnent la civilisation. Mais l'État africain, dès que l'État africain veut faire des partenariats, on dit non, tu as quitté un maître pour un autre. Reconnaissons par là que hier, ils étaient des maîtres. Oui. Ça veut dire, bien sûr. Ils étaient un maître. Des maîtres, oui. Bon, ils disent seulement que bon, et un maître, pas deux. Ça veut dire. Or, eux, ils étaient les maîtres. Mais vous vous appelez maître, nous on vous appelle quoi? C'est vous qui vous êtes désigné maître. Mais nous Africains, on vous appelle colon, criminel. Mais vous vous appelez maître. Reconnaissons par là que avoir un maître est mauvais. Parce que vous dites que les Russes sont des mauvais maîtres. Il y a un deuxième maître et que forcément il est mauvais. Mais vous dites de manière logique que vous-même, en tant que maître, vous êtes mauvais. Mais au nom de quoi vous dites que vous demandez quoi? Chassez le nouveau maître qui vient garder nous. Mais le raisonnement ne tient même pas. C'est-à-dire que dans la pure logique, ça ne tient même pas. Ce sont les lamentations des colons égarés qu'on est en train de chasser. Ils font le deuil, ils se lamentent. Ça ne nous intéresse pas. Les Russes sont nos partenaires, un bon partenaire. Nous faisons les partenariats parce que c'est l'ère des partenariats. Les alliances sont, comment on dit ça, le paramètre même le plus permanent de l'histoire en matière de relations entre les États. Manuel Atiké. Un autre État n'a pas le droit de qualifier les alliances d'un autre État de mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Ça pose un même problème. Ça pose un problème de. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez très bien que les Français sont dépassés. L'Occident est dépassé.
et va être dans la sauvagerie. Parce qu'il n'est même pas normal, dans les relations entre États, de qualifier les alliances d'un autre État de mauvais. Ça, c'est bavardage. C'est comme si, maintenant, c'est que quelqu'un se levait un matin et commence à vous dicter votre manière de vivre. Vous dites que, bah, à partir d'aujourd'hui, vie comme ça. Même vos parents, à un certain niveau, vous mettez les limites quand même. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, voilà des États qui se permettent de juger notre droit à avoir les alliés. Or, hier, quand nous, on allait les aider à se libérer de leur sauvagerie s'entretuant entre eux-là, on allait les aider à se libérer. C'était une bonne chose. Et dès que la guerre est finie, on est là, c'est que les Africains qui les ont aidés à se libérer d'Hitler, parce qu'il lui a dit que sans l'Afrique, la France n'existerait plus. Il a dit que c'est grâce à la bravoure des soldats Merci. Africains que les alliés ont pu venir à bout d'eux, d'Hitler. Quand ça finit, on est là, c'est que oui. reprenant tous leurs faux principes de droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance, droit de l'homme, tout ça, nous avons revendiqué l'indépendance. Quel a été le comportement de ces États? Sauvages, les génocides, les massacres, l'ingratitude. On est là, c'est que quand même, c'est trop quand même. Aujourd'hui, la France, ça voit quand même trop de courage. C'est beaucoup osé de la part de la France et des Yankees, sauvages Yankees, d'oser nous donner des leçons et vouloir mettre le nez dans le partenariat. Les Africains doivent se lever contre ça. Avant peut-être de passer la parole à notre invité pour le dernier mot, on va simplement rappeler à nos téléspectateurs que ce programme sera bien sûr rediffusé dans sur vos antennes For You, Média, Africa, votre télévision, même si on rappelle que nous sommes censurés. Je pense que vous connaissez la censure, vous connaissez ce problème de censure. Nous sommes censurés sur actuellement sur Facebook. Le thème, on est habitué lorsqu'on parlait aussi de Covid-19, on était habitué à cette censure. De toutes les façons, émission sera bien sûr diffusée sur les antennes de For You Media Africa. On rappelle, donc, pour entrer dans notre thématique, que Sergueï Lavrov a promis au Mali la poursuite du soutien militaire matérialisé par des livraisons d'armement et l'envoi de centaines d'hommes décrits en fonction des sources comme des instructeurs. Voilà, ça, je le lis, de l'armée russe, ou encore comme d'autres aiment bien les qualifier, les mercenaires de Wagner. On a l'impression que ça choque, vous l'avez si bien dit, président Banak. Non, on est pour Wagner. On est en train de sortir, oui. Non, on est pour Wagner. J'adore Wagner. Finalement, on adopte cette dénomination, Wagner. Mais qui dit que Wagner est mauvais? Voilà, ok. Qui dit? Dans le sens. Qui dit que Wagner est mauvais? C'est le Tintin de l'Elysée, c'est l'homme de Washington. Wagner est mauvais. Sauf qu'avant Wagner, on accompagne par mercenaires aussi. Qui? Mais ils font quoi en Ukraine? En Ukraine, ils font quoi? Avec qui ils font la guerre contre la Russie? Ça veut les poules? Ça veut des mercenaires. Ils sont des États mercenaires. Voilà la même chose. Hein. Dis-moi pourquoi les gens sont les créateurs. Ils créent les mercenaires. Et voilà quand les Russes, les Russes font ce qu'ils font depuis. Et c'est la Russie qui a inventé les armées privées, Manuel Atiké. C'est l'Occident, les sociétés privées militaires qui a inventé. Ouais. Ce sont les Occidentaux. Les Américains ont pratiquement démantelé leur armée pour faire de leur armée une armée de mercenaires. Ils n'ont même plus de militaires en tant que tels. Ils signent des contrats avec les sociétés militaires privées. Donc, vous savez, Manuel Atiké, quand vous voyez les Occidentaux pleurer, Wagner est bon. Parce que Wagner fait peur. Mais quand ils matin, midi, soir, ils ont peur de Wagner. Mais s'ils ont peur de Wagner, mais Wagner est la meilleure chose qui a pu nous arriver. Moi, je ne sais pas pourquoi les États m'ont peur. Wagner, c'est. Nous avons dit qu'il faut wagneriser toute l'Afrique. Parce que dès qu'ils voient Wagner, matin, midi, soir, Wagner a fait quoi? C'est comme une arme dissuasive, en tout cas, pour les Africains. Wagner a fait quoi? Qu'est-ce que Wagner a fait? Est-ce que dès que l'Occidentaux, dès que la France dit que tu es un mercenaire, dès que les Américains disent que c'est un bandit, tu es bien bandit, pourtant, qui est le plus grand bandit de la planète? Ce n'est pas l'État américain. Qui sont les plus grands bandits de l'histoire de l'humanité? Ce sont les Occidentaux. Donc, dès que la France désigne quelqu'un, Wagner mercenaire, tu deviens le démon, il faut qu'on te pourchasse partout. Non, Wagner est mauvais pour eux.
Ils ont le droit de ne pas aimer Wagner. Bien sûr. Ils ont le droit d'insulter Wagner. Mais nous avons le droit d'aimer Wagner. Tout à fait. Le droit de travailler avec Wagner. Parce que Wagner est une entreprise militaire, comme toutes les entreprises militaires mercenaires que les Occidentaux ont créées partout, qu'ils entretiennent, qu'ils financent et qu'ils sont en train d'opérer en Ukraine. Voilà. Voilà donc, c'est avec ces mots propos qu'on va également vous dire au revoir, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h30 pour ceux qui nous suivent à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Ce sera bien sûr en heure GMT ou alors temps universel. Ce sera 19h30, mais sinon, heure de Yaoundé, Malabo, 20h30. Vous pourrez bien sûr nous retrouver 96.3 FM pour un nouveau numéro de regard panafricain. Merci une fois de plus à vous, président Madagascar.